Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero. On est là pour un autre unboxing. En fait, on est là pour un unboxing un peu particulier. C'est pas une boîte à subscription box. Donc, c'est plutôt la shirt punch. On en a déjà unboxé sur la chaîne. On a unboxé des t-shirts. On a unboxé des bundles. Mais cette fois-ci, c'est un bundle fait maison, si on veut. Ce qui arrive, c'est que j'avais vu un t-shirt qui m'intéressait énormément. Et du coup, au moment de passer à la caisse, comme d'habitude, ils me demandent s'il y a d'autres articles qui m'intéresseraient. Et j'ai vu qu'ils avaient un fond compact qui m'intéressait, que j'attendais le bon moment pour l'acheter, en fait. Et tout d'un coup, ben, eux autres l'avaient en spécial. Donc, il revenait beaucoup moins cher que l'acheter en magasin. Donc, je l'ai ajouté au paquet. En plus, j'avais un code qui me donnait 10$ de rabais. Donc, le t-shirt me revenait gratuitement. Je payais juste la figurine et le shipping. Donc, ça m'a revenu 12$, si je me souviens bien. Américain, bien sûr. Mais j'ai eu mon Funko Pop livré à la maison. J'ai un super t-shirt que j'aimais beaucoup. Donc, ne tardons plus. On va l'unboxer. Voilà les unboxings qui, en fait, s'agissent de Shirt Punch ou de... C'est vraiment plus rapide que simplement un Mystery Box. Je les appellerai les Quickies. Voilà, donc au tout début, vous verrez Quickies. Ce sera Unboxing Quickies. Peut-être que ce seront leurs propres chiffres. Donc, il n'y aura pas de Sancho. Ça sera vraiment très vite. On va essayer de faire ça en dans de 10 minutes, même en bas de 8 ou 7 minutes si possible. Donc, voilà. On continue. Voilà. Je vais pas m'embrager le pop. On va commencer avec le t-shirt. Et voilà, donc on reconnaîtra le design de Batman, son logo. À l'intérieur, les méchants, double face, le Sphinx, Harley Quinn, l'épouvantail, Joker, Catwoman, le Penguin, Ivy Queen, Bane et Mr. Freeze. Donc moi j'ai mis ça beaucoup, je l'ai commandé. Et du coup, je me suis pris un Funko Pop de Gohan pour compléter un peu ma collection de Dragon Balls. Voilà, donc c'est ça, c'est tout. La boîte est vide. Donc j'espère que ça vous a plu. Une petite wiki, un t-shirt et un pop. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me laisser dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce bandeau fait maison. Moi j'aimerais ça le savoir. Donc j'attends vos commentaires et je vous dis à la prochaine. Ciao!